спасибо, мам, смотри. Antena me grande soyo perre che di un use boyo es un gran sun de festum natale cante lu pasture le suere ne musunas natale Nella ife dos paixi, paixi l'erbo di luz pra Natalet, sabe en paz qui puri unaixi. Bien, le point de départ du projet, c'était d'organiser une rencontre avec l'Italie pour les 10 ans du jumelage. Mais les Italiens n'ont pas pu venir. Nous avions quand même, dans ce cadre-là, prévu de faire venir les Lettons, et plus particulièrement la ville de Seiveyn, avec qui notre municipalité a tissé des liens depuis plusieurs années. Et donc on a découvert là-bas un pays avec de fortes traditions de chant, de danse, de chant choral. Il existe là-bas depuis des décennies un festival de chant, de danse qui rassemble des milliers et des milliers de personnes. C'était donc intéressant de découvrir cette culture de plus près. Pour moi, la culture occitane, elle a perdu tout ce folklore. On ne parle plus de folklore, on parle de bal folk, c'est ringard le folklore aujourd'hui. Alors que là-bas non, depuis très longtemps, ils célèbrent ces chants et ces danses sous forme d'un festival tous les 5 ans. Ce sont des spectacles grandioses qui rassemblent donc des milliers de personnes, des jeunes, des vieux. Et d'ailleurs, ils ont, malgré les différentes occupations qu'ils ont eues, ça a été pour eux un antidote, ces chants. Pour eux, c'est un antidote à l'occupation russe d'un côté. En 1945, ils ont été annexés. Et puis en 1989, avec la chute du mur du Berlin, ils ont fait une chaîne en chantant. Dans tous les pays baltes ont chanté. Et on appelle ça une révolution chantante. Et il en est sorti un hymne national. Qui ne parle pas de guerre, mais qui parle de jeunes gens qui partent avec des fleurs sur les cheveux, qui vont chanter dans la joie, l'allégresse. Et aujourd'hui, l'UNESCO a inscrit les célébrations de chant et de danse à la liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Alors que nous, on a failli perdre cette culture occitane. Avec la guerre de 14, pendant 50 ans, on n'a plus entendu parler de folklore, c'était ringard. Aujourd'hui, on parle de bal folk. Pour faire venir les gens encore. Et heureusement, le revival des années 70 a fait émerger l'importance de collecter auprès des anciens ce qu'il restait de notre culture occitane. Cette venue des Lettons, c'est à la fois montrer que l'on peut garder cette tradition de façon moderne, et puis c'est aussi un symbole fort de résistance, joyeuse. Donc chacun aura son petit nom, son nom, et puis voilà. On se reconnaîtra comme ça. On est tous très contents d'être là. Bon, apparemment, hein, j'ai demandé à tout le monde. Hein. Et en plus, vous nous attendez avec un beau soleil comme ça, c'est chouette. Et puis ça chante tout le temps, hein. J'entends déjà que ça chante. Donc je pense que les gens sont bien. Ça sent très bon.
et il doit être fameux. Mani sauc Baiba, un es jau vairāk nekā 30 gadus darbojos ar folkloru, vairāk gan ar dziesmām nekā ar dejām. Taču mums ir ļoti labs kontakts ar Grašu bērnu ciematu. Un bērni vienmēr, kad atgriežas no vasaras brīvlaika Grašos, viņi vienmēr stāsta par to, kā viņiem ir klājies Francijā. Un tas ir bijis arī viens no maniem sapņiem, vēl vienreiz savām acīm redzēt Franciju un redzēt tās vietas, kur uzturas pavasara mūsu bērni. Un tad, kad Sandra Stade piedāvāja darbību šajā projektā, es tūlīt teicu jā. Ir tā, ka manā folkloras grupā ir cilvēki, kuru vidējais vecums ir apmēram 70 gadi, un tad es sapratu, ka ar dejošanu varbūt mums visiem neizdosies. Un līdz ar to mēs izveidojām tādu apvienoto grupu no maniem krauklēniešu dziedātājiem un Madonas vērtumniekiem. Un es esmu ļoti laimīga, ka man izdevās piedalīties šajā projektā. Tas mērķis bija gan iepazīt franču kultūru, gan arī ieraudzīt kopīgo un atšķirīgo. Eh bien, je m'appelle Daniel Frouvel, je suis luthier, musicien, chanteur depuis un certain nombre d'années. Et puis j'ai connu Sylvie, donc la cheville ouvrière de ce projet des laitons, dans un autre contexte, puisque c'était dans une association de jardiniers. Elle est venue à la maison, puis elle a vu « Ah, mais tu fais tout ça, tu fais de la musique et tout ça, mais ça m'intéresse parce qu'on fait venir des laitons, ça te plairait de faire quelque chose avec eux ?» Je lui ai dit « Allez, banco, on y va !» Et puis le projet est parti comme ça, donc ça s'est fait un peu, oui, naturellement, enfin, par acquaintance de personnes. On vit ici en Occitanie, enfin, ça s'appelle Occitanie depuis pas longtemps, mais bon. On est héritier de 7 siècles de générations de gens qui ont vécu ici avant nous. Et on a le droit de les honorer, ces gens-là. Je trouve que c'est important de sentir qu'on a les racines quelque part, qui viennent de quelque part. Et si on veut faire grandir, si on veut grandir nous, nos arbres, il faut prendre des racines un peu pour que notre arbre grandisse. Hein. Est-ce que vous connaissez une danse qui s'appelle la polka? Oui, la polka. Oui. Est-ce que vous connaissez une danse qui s'appelle la bourrée? Bourrée. Non, c'est un dirda. Est-ce que vous connaissez une danse qui s'appelle le rondo?
Donc peut-être on va prendre un laiton et puis un occitan et puis on va danser en couple. Parce que la danse occitane me plaît beaucoup. Je ne suis pas une pratiquante régulière, mais chaque fois que l'occasion se présente, j'y vais. Parce que d'abord, c'est une danse de notre région, et ensuite, c'est une danse collective. Pour moi, le collectif est très très important. Ça permet de partager avec les autres. Ça permet aussi, aujourd'hui, qu'on reçoit les Lettons, de partager nos cultures aussi. Et ça leur permet à eux aussi de voir la variété des danses qui peut exister en Occitanie suivant la région. La danse collective permet la complicité, permet l'écoute, permet la convivialité. Il y a toujours un gâteau, il y a toujours un sourire, il y a toujours une attention. Et il y a des danses qui sont donc collectives, où on se donne la main en ronde. Il y a des danses par quatre, il y a des danses en couple. Et il y a des danses par quatre aussi où il y a de la complicité, mais il y a aussi de la coquinerie, dans le regard, dans la poursuite. Et voilà, je trouve que c'est très intéressant. Et du fait qu'il y ait eu ça et le partage avec les danses lettonnes, je trouve que c'est quelque chose de formidable et que c'est intéressant de montrer à ceux qui n'ont pas pu venir ce qu'on a partagé ensemble. Donc nous, c'est la première journée qu'on est ici tous à la Gardelle. Bet mēs visi esam izjutuši skaisto Francijas sauli un siltās cilvēku sirdis. Un ceram, ka šī draudzība arī tur nāk. Je mesure l'importance de cet échange, car il favorise la rencontre et l'échange avec les autres, la découverte des cultures différentes, l'apprentissage de la tolérance et de la citoyenneté, l'instauration de solides liens d'amitié. Tout cela contribue à l'émancipation des individus et participe à la construction de l'esprit européen. Tous ces ingrédients, nous le savons, sont nécessaires et indispensables pour renforcer l'Union. Nous avons bien besoin que tous les Européens se parlent et s'unissent. En ce sens, le programme Erasmus est une des plus belles réussites de la construction européenne.
Je vous souhaite donc de passer un bon séjour. La Gardelle sur l'Aise, at Jacquard's house. Jā. Mani sauc Kristaps, un man kultūras nozara ir ļoti tuva gan personīgi, gan profesionālā dzīve man ir saistīta ar kultūras nozari. Un tāpēc man ir ļoti svarīgi vienmēr atklāt jaunas iespējas, jaunas kultūras, jaunas valstis un jaunas tradīcijas. Des deux à l'assassin. Tu connais? No. Yes? No. Wrong translation. Tu fais cuire? Mm-hmm. Là, yes? Là, mm-hmm. Comme ça. Mm-hmm. Et après, tu retournes. Oui. Ah, okay. Voilà, à l'assassin. À l'assassin. Ma démarche a été le fait d'apprendre que des laitons et des laitonnes allaient arriver. Et c'est la rencontre, surtout, avec des gens extraordinaires qui nous ont fait découvrir un pays que je, personnellement je ne connaissais pas du tout. Après, j'aime particulièrement faire ce que je fais, c'est-à-dire recevoir, faire découvrir notre culture, des choses très simples, comme les œufs à l'assassin. Usually I don't drink in the mornings, but here in France, I think I've started a new tradition. C'est un partage aujourd'hui, c'est réellement un partage et un... Yeah? Yes. Yes. Et ils sont charmants et je me régale. Man šāda veida apmaiņa nozīmē to, ka un tas iegūms patiesībā ir tas, ka mēs redzam, cik mēs esam patiesībā kaut kādās tradīcijās un ierežās un paradumos dažādi. Bet tas arī parāda tās mūsu kopīgās lietas, ir sevišķi Eiropas kontinentā. Ņemot vērā to, ka pasaulē šobrīd ir tāda ļoti saspringta situācija ar karu Ukrainā, ir ļoti vērtīgi, ka mēs viens otru pazīstam, mēs pazīstam savus kaimiņus. Šāda veida apmaiņas programmas ir vislabākais, kā mēs varam personiski satikties viens ar otru. Teiksim tā, uzzināt no tiešajiem kanāliem, kā šie cilvēki dzīvo citur. Varbūt laust kaut kādus arī stereotipus un kaut kādas savas iedomas, kas mums ir radušās par kaut kādām tautām vai cilvēkiem. Jo, kā Latvijā saka, vienreiz labāk vienreiz redzēt nekā simtreiz dzirdēt. Ça fait 40 ans que je suis dans ce milieu et les gens, on est un microcosme, donc on se connaît bien. Et donc ces intervenants-là, je les ai côtoyés depuis très longtemps et je savais que ce sont des trésors vivants du patrimoine et qui sont tout à fait compétents dans ce qu'ils proposent, autant Edith que Marie-Vonne, que Alain Servan, bien sûr. Dans leur spécialité, Gascogne, Lauragais et Ariège. Il y a dans les Pyrénées ici, beaucoup de danses intéressantes et très anciennes. C'est là que j'ai recueilli, dans cette vallée que j'ai recueilli cette danse. Mais Beléau Somius, il a appris une canzone qui permet de danser et après des baisers, et cousin qu'elle fait pour danser. Et voilà. Bon, nous allons danser. La
calabrese ce qu'elle fait, et cousine se situe sous une musique, ouais, parce que pour la Riège, c'est simple, il y a quatre notes, ouais, il n'y a que cinq appuis sur quatre temps, mais c'est drôlement subtil. Bon, per plat fait ce que les vieilles faisaient, danser un peu à retardement, être pile sur les contretemps, etc. Bon, il n'y a pas le moment pour apprendre tout à coup. Hein. Et c'est un bertalier patrimoine qui avait une arrière. C'est des gens qui ont collecté la mémoire des gens du temps où les traditions étaient encore vivantes dans les villages. Donc, avec leur intervention à tous les trois et la mienne, on a un large panel de ce qui pouvait se pratiquer au niveau des danses dans toute l'Occitanie. Moi, j'ai choisi le répertoire des bourrées, qui couvre quand même une bonne partie du sud de la France et jusqu'en Berry et en Bourbonnais, et qui a la particularité de proposer beaucoup de variantes de danse, beaucoup de variantes de pas, avec des subtilités, des micro-mouvements. Comme ce sont des danseurs qui ont l'habitude de jouer, de chanter, de danser, ça nous a paru intéressant de leur montrer toute cette variété, toute la richesse du répertoire. Donc ici bourré trois temps, et ici bourré deux temps. Tas, kas mani fascinēja, tā bija tā senā oksitāņu kultūra un par to, kā mūsu deju skolotāji to prata pasniegt, kā viņi mūs pilnīgi nemanām ieveda tajās dejās, ka mēs jutāmies paši piederīgi tai kultūrai. Un visi tie vēsturiskie kultūras pieminekļi, baznīcas un visa tā pilsētiņa, tas bija... Nu, tādas sajūtas, ka mēs būtu nokļuvuši vēsturē 100 gadus atpakaļ. Et on va se déplacer en dansant le pas de polka. Je vous montre. Un, deux, trois, dernier, mazurka. Mazurka. Braucu ar domām iemācīties kaut ko no franču kultūras, tradīcijām un no dejām konkrēti. Nu, ar deju es esmu latviešu tautas deju, esmu kopā jau kopš 3 gadu vecuma. Nu, es esmu dejojis dažādos deju kolektīvos visus šos gadus. Dejoju vēl tagad. Folklorai es pievienojos 10 gadus atpakaļ. Tas ir tas laiks, kad man meitas piedzima. Un tad prasījās kaut kādu, nu, to latvisko tradīciju, dziesmas, piemēram. Bērniem, piemēram, šūpuļu dziesmas dziedāt, nu, vai jebkuras citas dziesmas vakaros ar bērniem kopā. Tas ir veids, kā es sajūtu to, ka es esmu latviete. Tas ir arī kaut kas tāds, kas cilvēks apvieno. Es varu būt, nu, teiksim, bariņā ar svešiem cilvēkiem, bet, ja mēs dziedam vienu dziesmu, tas tomēr, nu, kaut kā visu satuvina. Ces rencontres-là, les rencontres de danse et les rencontres de chant, elles sonnent souvent comme des rencontres d'âme. Comment dire, on se retrouve dans une communauté, on a l'impression d'être quelque part frères et sœurs d'un même type de danse, et en même temps, il y a du nouveau, quoi, il y a de l'enrichissement, donc c'est très 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 bien. Finalement, cette semaine, ça avait été comme un cadeau, tellement je trouve que c'était fort, aussi bien en émotion, en convivialité encore et vraiment et puis en richesse par rapport à la danse. Et puis c'est intergénérationnel. Voilà. On parle plus des professions, c'est que la danse et que ben le bien-être et d'être ensemble en fait. La danse et le chant, ça permet d'éveiller en nous certaines sensations. Ça permet
de s'exprimer de différentes façons et ça permet aussi de s'apercevoir qu'on a un corps, qu'il peut bouger, qu'il peut prendre plaisir. Et dans la danse, en général, ce qui prime, c'est le plaisir. C'est un langage, en fait. La danse et le chant, c'est un langage qu'on peut partager. C'est une façon de communiquer avec les autres. Et puis, au niveau santé, c'est bon. Voilà. Physiquement et psychiquement. Psychiquement, oui. Oui, c'est un apport total. D'ailleurs, qu'à la fin, même s'il y a la barrière du langage, à la fin, il y avait une complicité. Oui. Et en fait, on pouvait voir aussi la complicité au dernier bal, enfin. Parce qu'en fait, ce qui était étonnant, c'est que finalement, on arrivait à danser les danses lettonnes, ils arrivaient à danser nos danses. Et tout le monde, oui, il y avait une dynamique commune, en fait. La musique est, manuprāt, tā valoda, ko saprot visi, starptautiska valoda, ar kuru mēs varam sazināties viens ar otru, nemākot, varbūt, konkrētās valsts valodu, tā teikt, nepārvaldot citas valodas. Tā teikt, mūzika, deja, universāla valoda. On apprend des danses aux Lettons. Les Lettons, ils viennent ici pour apprendre des danses occitanes, mais la danse, elle a une finalité, c'est pas juste de l'apprentissage. La danse, elle a une finalité d'échange social et communautaire que véhiculent toutes les musiques traditionnelles. Et donc, l'échange social et communautaire pour la danse, ben, c'est le bal, c'est la fête. Hein. Donc, on fait la fête, quoi. Dvēseles mūzika, kas ir attīstījusies gadu simtos, un Francijā mēs šo dvēseli arī sajūtām. Les Lettons, quand ils sont venus ici, ils savaient à quoi s'attendre, puis ils étaient en demande. Donc, ils se sont reconnus, je pense, dans ce qu'on leur a montré, parce que on a deux pieds, deux jambes, là on a la même horloge, et puis quand tu avances un pied devant l'autre, ben, tu danses letton ou tu danses occitan, mais c'est un peu la même chose. Hein. Après, justement, c'est le véhicule de la langue qui fait que ça va donner une certaine couleur, une autre couleur. Pour moi, c'est très important ça. Et donc, les Lettons se reconnaissent parce qu'ils voient que derrière cette pratique-là, il y a une culture qui les ressemble, même si ce n'est pas la même langue, mais c'est de l'humanité. Quand on danse et qu'on a, comme on dit, la banane, là, qu'on a le sourire aux lèvres, ça veut dire que c'est gagné, l'amour est partagé, et ça va bien. Et c'est du bonheur, oui. Man prāt, ļoti svarīgi saprast un izzināt savas saknes. Jo saprotot un izzinot savas saknes, mēs arī saprotam, kas mēs esam šobrīd, kas mēs esam mūsdienās.
Un, lai šo sapratni mēs varētu nodot tālāk nākamajām paudzēm, ir ārkārtīgi svarīgi šīs tradīcijas saglabāt. Un šī saglabāšana notiek mums pašiem darot, mums pašiem esot, mums daloties vienam ar otru. Jo tradīcijās un tajās mūsu saknēs slēpjas mūsu katra spēks, mūsu tautas spēks, mūsu nācijas spēks. Un savukārt ar šīm tradīcijām daloties tālāk, stāstot vienam otram par mūsu tradīcijām, par dažādajām tradīcijām, par kopīgajām tradīcijām, mēs varam viens no otra mācīties, dzīvot labāk kopā šodien un nākotnē. Ha ha ha.